Bonjour, nous allons commencer cette revue de presse en donnant la parole à Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, vous vous rappelez, c'était le ministre des Affaires étrangères français qui avait combattu à la tribune de l'ONU l'invasion des Américains en Irak. Voici donc ce que dit Dominique de Villepin sur les erreurs fondamentale de l'Occident durant ces 20 dernières années. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quels résultats? Et c'est bien pour cela qu'il y a quelque chose sur lequel les historiens reviendront, alors que nous avons commis autant d'erreurs dans les 20 dernières années. Eh bien, les Russes, eux, depuis 2008, la Géorgie, le Donbass, la Crimée, puis aujourd'hui l'agression contre l'Ukraine, commettent les mêmes erreurs. Il y a comme un effet miroir entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre. Comme si personne ne réfléchissait, ne tirait des leçons. Nous n'avons pas encore, à mon sens, tiré toutes les leçons de ces interventions militaires, et en particulier de l'intervention militaire américaine en Irak et du mensonge. Regardez dans le discours de Vladimir Poutine à quel point il reprend la rhétorique occidentale, celle qui a été la nôtre au Kosovo, celle qui a été la nôtre en Libye, celle qui a été celle des Américains en Irak. Et donc, il y a de ce point de vue-là nécessité à un moment donné de se confronter à la réalité des choses. Et une fois de plus, l'engrenage de la guerre, le mensonge qui est lié à la guerre, il n'est pas propre à une seule partie du monde. Un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée a fait une tribune dans Le Figaro, un grand quotidien français. Le titre, Nous marchons vers la guerre mondiale. Et c'est votre tribune au Figaro qui a déclenché d'innombrables réactions, Henri Guénon. Une tribune pour appeler au sursaut, au réveil, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». La guerre, vous entendez par là, la guerre totale mondiale, ça veut dire que chaque jour qui passe, là, chaque heure, chaque minute qui passe, même à ce micro, on avance collectivement, l'Occident avance, selon vous, vers cet abîme ? L'Occident, l'Europe, l'Europe d'abord, l'Occident et peut-être le monde. Enfin, moi, je suis frappé par la rapidité de l'escalade depuis le début de la guerre. Alors, on ne va pas revenir, je l'explique dans ma tribune assez rapidement, mais comment on est arrivé jusqu'à la guerre. Et depuis, il n'y a pas eu une initiative pour empêcher la guerre. Comme si au fond, personne ne la voulait, tout le monde faisait tout pour qu'elle arrive. Bon, des deux côtés. Des deux côtés. Mais, en tout cas, l'Occident, l'Europe, dont c'est le rôle, à mes yeux, n'a rien proposé. Une fois que la guerre est entamée, on n'a toujours rien proposé. Le président de la République, qui est président de l'Union européenne, dit des choses sensées sur ce sujet. L'escalade est dangereuse, il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas... Bon. Mais pour l'instant, il n'en tire aucune conséquence. Je me souviens de 2008, Nicolas Sarkozy en Géorgie. Même cas de figure. La Russie lance ses chars sur la Géorgie pour des raisons à peu près similaires à celles de l'Ukraine et Nicolas Sarkozy prend un avion, il est président de l'Europe, il demande l'avis de personne, il prend un avion, il va négocier, pas seulement parler. Il revient avec un accord. Bien sûr, la Géorgie a perdu deux provinces. Quand vous dites l'avis de personne, c'est-à-dire même pas l'avis des Américains. Dans cette tribune, c'est très frappant, vous nous appelez à tirer les leçons de l'histoire, Henri Guénon. Vous ne cherchez pas à comparer, je le dis, à raisonner par analogie, mais vous estimez qu'il y a une forme de permanence de certains comportements, oui, donc des erreurs humaines qu'on répète. Oui, vous savez, la guerre a quelque chose à voir avec peut-être les calculs de certains ou l'orgueil des
démesurée de quelques dirigeants, mais elle a surtout à voir avec la nature humaine, avec les instincts de violence, de sauvagerie qui sont dans l'homme et qui se réveillent dans ces moments-là, et puis avec la psychologie profonde des peuples. Parce que vous laissez aussi penser que ce n'est pas le bien contre le mal, cette guerre, qu'il faut sortir de cette idée, toujours, de cette logique. Mais le bien et le mal sont inextricablement liés ici, oui, selon bien vous. Sûr, ouais. Mais voilà, ils sont inextricablement liés. Mais on est capable de sortir de cette idée. Mais si on ne le fait pas, c'est la croisade, vous savez, si tu es les tous, tu reconnaîtras les siens. C'est la guerre totale, c'est-à-dire que si vous êtes le bien, vous pouvez tout vous permettre, et si chacune des parties considère qu'elle est le bien, elle peut tout se permettre, donc on va au massacre. Voilà, mais la politique, elle n'est pas faite pour ça. On dit souvent que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Non. La guerre, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est tout ce qui essaye d'éviter la guerre. Je ne parle pas du pacifisme. Laissons de côté, ce sont deux fautes morales très profondes et intellectuelles, le pacifisme et le bellicisme. Hein. Le pacifisme s'imagine qu'on peut extirper la violence de l'homme, c'est pas vrai. Et le bellicisme, il a une jouissance vis-à-vis de la guerre, il pense qu'elle est régénératrice, il aime la guerre. Voilà, donc il faut écarter ces deux sentiments, et il faut se dire une chose, c'est que la politique, elle est là pour s'occuper de la zone grise entre le mal et le bien. Mais pourquoi on n'arrive pas à raisonner? Si vous n'êtes pas comme cela, vous n'êtes pas le seul à tirer cette sonnette d'alarme, à dire cela. On pourrait citer en Allemagne le théoricien et philosophe Jürgen Habermas qui appelle, Henri Guénaud, vous le savez bien, les Occidentaux à éviter les dangereux coups de poker. Voilà, c'est l'homme qui est obsédé par le totalitarisme et la façon de le faire reculer, en particulier en Allemagne, qui prennent la parole pour dire ça, alors que beaucoup de gens nous expliquent qu'il faut que c'est la lutte contre le totalitarisme, la tyrannie, etc. C'est très important. Mais quand vous dites cela, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre tribune au Figaro? Bien, certains vous ont accusé de trahison, de lâcheté. Comment aujourd'hui, Henri Guénaud, porter ce débat alors que la nuance n'est pas permise, ou en tous les cas qu'elle est synonyme de poutinophilie aiguë? Comment on le porte, ce débat? Comment on entend votre voix? De Jürgen Habermas, celle de Maurice Gourdeau-Montagne qu'on a reçu ici même. Comment on les entend, ces voix, aujourd'hui? Dominique de Villepin. Tout à fait, Hubert Védrine et d'autres. Voilà. Mais il n'y a pas le choix. Il faut se battre contre l'aveuglement, contre la radicalité, contre la caricature, contre la bêtise aussi. Et puis surtout, il faut se souvenir d'une chose, c'est que la morale, c'est de vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Voilà, de ce que l'on veut. Alors, moi, à tous les gens qui vous parlent des droits de l'homme, et c'est très bien, mais qui veulent les imposer au monde entier, là, en l'occurrence, il n'y a qu'une réponse. La seule réponse, c'est, mais écoutez, dans ce cas, allez vous battre. Vous savez, c'est moi, je suis très camusien. À Mariupol, la reddition des défenseurs de la Syrie d'Azovstal. Alors, ce n'est pas une évacuation, ça n'est pas non plus une défaite. Oui, le brouillard de la guerre, c'est le chaos du réel qui empêche d'avoir une idée précise de la ligne de front, des forces en présence, de leur aptitude au combat. En Ukraine, il y a en plus le brouillage de la propagande, c'est-à-dire le mensonge, le pieux mensonge, le déni qui anesthésie, le secret défense qui protège, la dialectique qui transforme une défaite en victoire. À l'usine d'Azovstal, les combattants ukrainiens n'ont pas été évacués comme les médias l'ont répété toute la journée. Il ne s'agit pas d'une évacuation, mais d'une reddition. Les défenseurs retranchés dans l'usine ont déposé les armes, ils ont été faits prisonniers, ils n'ont pas combattu jusqu'à la mort comme annoncé, l'état-major leur a ordonné de se rendre. Volodymyr Zelensky a expliqué que l'Ukraine a besoin de héros vivants et que la mission était accomplie. Ce dénouement a été longuement négocié par des officiers de renseignement, russes et ukrainiens. L'accord conclu prévoit à terme un échange de prisonniers, mais il comporte des clauses secrètes dont on ignore tout. La Croix-Rouge internationale a apporté sa caution. La télé d'État a filmé la fouille des combattants avant de monter dans le bus. On ignore combien de combattants restent dans les sous-sols de l'usine. Mais à première vue, on a vu hier une reddition dans l'honneur pour les uns et le respect des conventions de Genève pour les autres. Oui, c'est pour ça. J'ai parlé peut-être de défaite politique pour la Russie. Ça n'est peut-être pas le cas finalement. Vladimir Poutine, en effet, a garanti que les prisonniers seraient traités selon les lois internationales.
Ils sont nombreux à penser à Moscou qu'il faut distinguer d'un côté les militaires, c'est-à-dire les gardes frontières et les troupes d'infanterie de marine, et de l'autre, les membres du régiment Azov qui dépendent du ministère de l'Intérieur, assimilés à des nazis, des mercenaires, des terroristes qui ont pris des civils en otage. Azov, c'était l'alibi de l'opération militaire spéciale. C'est le diable que la Russie est venue terrasser à Marioupol, à l'endroit même où les nationalistes ont créé le bataillon et où ils ont triomphé en 2014. Au début de la bataille, Vladimir Poutine leur promettait le poteau d'exécution. Désormais, ils parlent de loi internationale. On jugera aux actes. Du coup, le sort de ces hommes devient un enjeu majeur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces hommes? À Marioupol, les Russes ont pris leur revanche. La ville est rasée, c'est vrai, mais la mer d'Azov est désormais un lac russe. La Crimée, plus facile d'accès. Poutine a obtenu une victoire. Elle est chère payée, mais elle est réelle. La reddition de la garnison de Marioupol était difficile à négocier. Kiev et Moscou y sont parvenus avec l'aide de l'ONU et du CICR, alors même que la guerre continue plus au nord. Les soldats piégés ont donc trouvé une porte de sortie. Russes et Ukrainiens ont trouvé le moyen de s'entendre. Cela pourrait être l'amorce d'une reprise du processus de négociation entre les deux camps qui est aujourd'hui au point mort. Moins plus frustrant et moins glamour, mais plus efficace que le spectacle de Cannes. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette revue de presse. Partagez-la. Au revoir.